tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai amené Laura sur ma chaîne. Allô! Parce que on raconte une story time aujourd'hui sur ma chaîne et c'est toute une histoire. Puis je pouvais pas amener Laura parce que c'est quand même un élément majeur de l'histoire. Oui, en fait, je suis essentielle à l'histoire parce qu'elle était plus ou moins consciente pendant une certaine partie. Donc, il faut que je raconte ma version des faits parce que, ouais, j'étais là. Pourquoi j'étais pas consciente, mettons? Parce qu'elle était complètement ide. La plug dans l'intro. Yes! Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier les vidéos. On va rire de moi, elle va rire de moi, comme elle l'a déjà fait 50 fois après que cette histoire-là se soit passée. Elle est bien heureuse de la raconter au public présentement. Absolument. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Tout a commencé un bon 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui comprennent rapidement. Donc il y avait de l'alcool en jeu dès le départ, mais moi et Laurent, on filmait ensemble. Oui! Une vidéo sur ma chaîne avec de l'alcool et une vidéo sur la sienne avec de l'alcool. Aussi, oui. Donc, c'est un truth or drink, puis un trivia, un drink. Un trivia challenge, là, quelque chose de genre, mais si vous nous suivez, vous le savez, vous l'avez vu. Mais ces vidéos-là, on a l'air quand même relativement correct en vidéo. Ouais. Elle est en train de y penser si elle était correcte pour vrai. Ouais. Mais disons qu'à la fin de la vidéo, on était plutôt avancé, puis on s'en allait à un party de Saint-Jean. C'est ça. C'était un bon pré-drink, là, je dois dire. Hey, c'était un énorme pré-drink. On est arrivé là, on était très ivres les deux. Ah oui, absolument. Absolument. Pour vous prouver qu'on était complètement ivres, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est qu'on drop tout notre alcool, puis ça, puis on jouait Marie-Lou Etier, qui était déjà au party, dans la chambre, là, tu te rappelles plus. J'ai aucune idée de ce que tu m'as raconté. Ben, on arrive au party, puis je spot un gars. Puis je suis comme, ah lui il est quand même cute. Puis à ce moment-là, j'étais plus avec mon chum depuis quoi, 2 mois. Puis là j'étais comme single and ready to mingle et tout. Fait que je suis comme, ah il est cute lui. Première chose. C'est pas ça qui s'est arrivé, ok. Elle le trouvait bien cute, mais elle voulait pas aller parler. Non, vas-y, parle. Hey, on venait de dropper notre album, je faisais 5 minutes. Peux-tu me laisser le temps de me déshabiller? Puis là je voulais les présenter et tout ça. Puis là, le gars j'étais comme, salut, moi c'est Laura, maintenant on jase. Puis là, zéro. J'ai présenté mes amis, puis on a continué à jaser. Puis là, le gars il m'a dit qu'il habitait à Montréal. Puis là, moi j'étais comme, oh, mais moi j'étais ménage à Montréal, ça me tombait bien. Fait que là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, j'ai oublié Emily dans l'histoire, on s'est toute la soirée. Et c'est plate. Donc, suite à ce rejet phénoménal de mon ami et d'un gars que je suis comme, ah, oh, il est quand même nice, tu sais, je me dis, ben là, ok, faut que je passe à l'action, tu sais. Puis là, on croise Alexia et elle est autour d'un feu avec un gars, mais genre, le gars, là. Ah! Faudrait lui donner un petit nom à lui, là. On va l'appeler. Charles, on l'appelle Charles. Ok, on va l'appeler Charles. Donc, ok. Yo, je suis en train de manger du McDo, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que vous avez entendu des voix d'hommes? C'est Charles, mon coloc, mais le gars dans l'histoire s'appelle Charles, en hommage à Charles. Donc Laura, si t'avais à décrire le garçon qu'on va appeler Charles dans cette situation-là, comment tu le décrirais? Le gars était... Comment dire? C'est un dieu grec. Okay. Bref, à ce moment-là, il était assis avec Alexia. Moi, je suis comme, Alexia, on est amis, mais ce soir, I'm single and I'm ready to mingle, fait que bye. Donc, je me suis assise à côté d'eux, puis je me suis dit, genre, moi, je vais essayer de tasser le pion qui était Alexia, tu sais. Mais en même temps, c'était une compétition saine, mais pas saine, tu sais, genre. Ouais. On faisait semblant qu'on était vraiment contentes, mais clairement que les deux, on essayait d'avoir la plus nice devant lui. C'est vraiment bizarre comme. Ouais. Mais à ce point-ci, il y avait pas une grosse. Non, ça, c'était pas une connexion que je pouvais pas briser, mettons. Fait que je me suis lancée. Puis là, j'ai bu avec lui. Beaucoup. Je m'en rappelle qu'il m'a donné son fond de tequila, mais c'était une bouteille de tequila, puis il m'a donné ce fond-là, puis il était comme fini ça. Sacré Charles. Puis à un moment donné, il s'en va aux toilettes. Puis je me dis, c'est le moment, parce que les toilettes étaient comme bâties, puis il y avait comme une genre de. Fallait que tu rentres dans une pièce pour aller aux toilettes, puis la pièce était comme fermée, genre, je sais pas si tu t'en rappelles. Mais dans le fond, c'est que la chambre à Rosalie, elle avait une toilette à l'intérieur. Exact. C'est ça. Fait qu'on pouvait. Mais il y avait la chambre à Rosalie, puis il y avait une chambre d'eau, genre, la laveuse, tout ça. Oh, ouais, ouais.
Fait que là, moi, je me dis, bon, on est en train de se parler, fait que je vais l'attendre dans la chambre d'eau, puis il y a une porte, fait que genre, faut pouvoir s'embrasser là, puis tout. Puis Alexia sera pas fâchée parce que. Oh mon dieu, elle va être fou que tu m'as jamais dit ça là. Ben là, ça c'est vrai. Ça c'est okay. Une vraie histoire. Okay. Donc, ça se passe, fait que là, moi, j'attends, tu sais, je suis dans la salle, puis tout ça. Puis clairement que le gars, il s'en sac bien raide de moi. Là. Clairement. Soyons honnêtes là. Il aurait pas dit comme ça, mais. Vraiment beaucoup là. Lui, il était déjà parti avec son histoire d'Alexia. C'est comme s'il avait déjà roulé 10 km ensemble, puis moi, je courais en arrière. Allô? 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 C'était pas nice. Fait que j'attends, puis il finit par sortir. Mais là, si vous avez bien compris l'histoire, il y a la salle de bain, la chambre à Rosalie, qui était l'hôte de la soirée, et la chambre d'eau. Il est sorti par là. Tu sais, il m'a rendu combien de temps, là? Assez pour me rendre compte que c'était un autre pile. Mais il y a dû y avoir genre 6 personnes qui sont venues. Peut-être. Peut-être qu'il y avait d'autres monde aux toilettes, puisque si j'avais cogné dans la porte des toilettes, c'était clairement pas lui, là. Mais c'était vraiment malaisant. À ce moment-là, je me suis rendu compte que, bon, ben, hein, tous mes leads de la soirée étaient gâchés. Un qui se fait déjà frencher, l'autre qui va se faire frencher éventuellement. Fait que j'ai plus d'autre option que de me trouver des amis. Fait que là, je me mets à jaser avec le monde, pis tout ça. Pis à un moment donné, je bois encore parce que la tequila a pas encore fessé. Fait que je me dis, ouais, là, de continuer à boire, tu sais. Mm. Pis là, je veux retourner aux toilettes. Ça, tout commence dans les toilettes. Mais je vais pas aux toilettes où je viens vous décrire, je vais aux toilettes en haut, qui sont des toilettes, ben, une toilette régulière, là. Et en montant aux toilettes en haut, il y avait déjà un énorme fil de gens pour aller aux toilettes, genre probablement 5-6 personnes. Puis je me mets à parler avec un gars. Pff, là, c'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à intervenir, ok? Je me mets à parler avec un gars, en attendant les toilettes, qui, je sais pas dans quel contexte, là, s'est mis à me raconter qu'il avait des pensées suicidaires. Puis qui avait déjà eu des antécédents de vouloir passer à l'acte et tout. Imaginez-moi, ok? Je suis complètement, mais complètement ivre. J'attends pour aller aux toilettes. Il y a un gars que je connais pas, puis à ce jour, je sais même pas encore son nom, qui me dit qu'il a des pensées suicidaires. Ma réaction fut de paniquer raide. Puis si vous avez déjà écouté quelques-unes de mes vidéos, vous savez que moi, quand j'ai de l'alcool comme ça, et que ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Puis là, il se met à me raconter ça, je panique, je pleure, je fais toutes les temps, je sais plus quoi faire. Fait que je descends en bas, puis je vois le dieu grec. Je vois le fucking dieu grec. Puis là, Charles, appelle-le Charles. Charles, oui, Charles de son petit nom. Fait que là, je pleure. Puis là, lui, probablement qu'il doit se dire que je suis complètement folle. Mais je fais comme il dire que genre, il y a un gars qui va se suicider à ce soir. Puis je suis comme... J'allais dire son nom. Charles, faut que tu viennes m'aider. Il y a un gars en haut, il va se suicider. Blablabla, ça va plus. Il m'a raconté qu'il y avait des pensées suicidaires. Puis là, le gars, il est genre... Clairement qu'il comprend rien de ce que je dis. Puis probablement que je disais rien qui faisait du sens. C'était complètement incohérent. Mais moi, à ce moment-là, c'était un cri à l'aide qu'il m'avait donné. Puis le dieu grec allait être mon sauveur. Mais le dieu grec n'a pas réagi. Pas très bien réagi. Il a rien fait. Là, je peux y revenir. Parce que je parlais avec mes amis pis tout ça, pis là Charles se pointe pis on me dit « Hey Laura, je sais pas ce qui se passe ce soir, là, ça va vraiment pas, là, on dirait que je fous la merde partout où je vais, là, j'ai fait pleurer une fille » pis là je suis comme « Hein? Ben voyons donc comment ça » pis il dit « J'ai pas trop compris pour vrai là, mais en tout cas elle était folle raide là, j'espère qu'il y a rien qui va aller la gérer » J'étais comme « Hein, moi aussi, tu sais » Là, on sort de la chambre pis je vois Émilie en pleurs pis comme « Oh, c'est elle » Je suis comme « C'est mon amie, je m'en occupe. Adore chez nous. » Puis là, ah oh oui, je dois dire là, ça c'était un party à Québec avec toutes mes amies, tu sais, ma gang, mon monde. Puis Émilie, elle vient du Saguenay, elle est à Sherbrooke, ça connaît pas trop les gens, mais c'est pas le genre d'amie à problème que je dois la surveiller dans les parties. Moi, je suis bah, Émilie, tu sais, c'est une grande personne, elle sait gérer, elle a quoi à dire, tu sais. C'est comme la dernière personne que je m'attendais à finir le même, j'étais. Oh. Tarnouche que je m'attendais pas à ça, pis c'est pas ce que je voulais de cette soirée. Mais je m'en excuse. Je la reprends. Émilie, raconte-moi tout ce qui se passe. Il y a un gars, il va se suicider ce soir. Pis je suis comme, wow, t'sais, moi tu me dis ça, pis je capote un peu, pis là, je dis, mais là, c'est qui? Elle était pas capable de me dire c'était qui, pis elle me dit, il y a les cheveux bruns, une face normale, pis un hoodie. Trouve-le, là, trouve-le. Il y a une face normale! Ça peut être n'importe qui a une face anormale!
En tout cas, là, je suis comme, ok, M, calme-toi, tout va bien aller, on va le trouver, tu sais. Là, je fais les trois étages de la maison, je cherche quelqu'un, mais en même temps, avec une face normale, un hoodie pis des cheveux bruns. C'est vraiment pas évident, pis moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Hey, c'est-tu toi qui a mon ami qui allait te suicider? C'est pas cool, là, fais pas ça, s'il te plaît. Et là, on rit vraiment pas de ça, mais c'est juste que comment tu veux réagir dans une situation de même, c'est un party? En tout cas, je sais pas. Je n'ai pas trouvé la dite personne, pis. Quand j'ai fini de chercher, je trouvais plus Emily non plus. Je capotais. Parce que moi, je cherchais de mon bord, tu sais, la personne suicidaire. J'allais l'aider aux toilettes du dernier étage. Puis elle était là, sur le bord du bain, à parler avec un gars qui l'avait compris. Ok, là, c'est-tu mon cue? Oui, c'est mon cue. Ok. Donc, je suis sur le bord du bain, à la toilette où j'attendais pour aller aux toilettes précédemment. Puis je suis en train justement de discuter avec le gars. Puis là, il se met, et je te jure, le gars, il était vraiment sweet, vraiment genre. Calme, il m'apaisait, il s'est mis à me dire que voyons, ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées comme ça, panique pas pour ça, je suis sûre que la personne qui t'a raconté ça, c'est vraiment parce qu'elle s'est sentie proche de toi, puis qu'elle pouvait t'en parler, puis tout ça, mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va passer à l'acte, là. Il y a vraiment une différence entre passer à l'acte et juste te dire qu'il y a des moments qu'on vit qui sont plus difficiles dans la vie, puis tout ça, puis t'es vraiment une personne au grand cœur de t'en soucier, puis de gâcher ta soirée, blablabla pour ça. Puis là, genre, moi, je suis inconsolable. Honnêtement, là, il m'en parle, puis je suis comme, j'essaie de me calmer, mais je suis inconsolable. Puis c'est ça. Moi, j'arrive, puis j'ai entendu une petite partie de la conversation, puis le gars à qui tu parlais, on peut lui donner un nom? Ben oui, on peut lui donner un nom. Il s'appelle Simon. Simon. Il a vraiment été bon dans cette situation-là. Il a dit tout ce que j'aurais pas pu dire, honnêtement. Je l'écoutais parler, puis même lui. C'était un peu touchant parce qu'il ramenait ça à lui aussi. Il était comme, moi aussi, j'ai déjà eu une période il y a quelques années où ça allait pas trop bien. Puis tout ce qu'on veut, c'est une personne pour nous écouter, blablabla. Puis toi, t'étais là pour cette personne-là, donc c'est génial. Puis c'est ça qu'on disait, hey, mais on l'a pas trouvé, mais peu importe ce qui arrive, t'as fait tout ce que tu pouvais faire ce soir. Tu connais pas cette personne-là, mais elle est inconsolable. Elle pleurait, elle arrêtait donc même pas de pleurer. Puis moi, je vous rappelle que personne ne connaît Emily. Pis personne comprend vraiment l'histoire parce qu'elle est pas claire. Tout le monde la trouve cinglée. Pis moi, je suis la cinglée qui l'a amenée à ce party-là. J'étais fâchée. Pis là, moi, je suis comme, ouais, je pense qu'on va faire un petit bout, il était déjà tard, pis ça va pas, pis elle pleure, elle pleure, elle pleure. Là, on se réveille le lendemain, pis elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai juste pensé à ça. J'ai quoi? Pis elle était fou, ça, j'aime pas petit plus, mais là, Caroline, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, là? Puis là, on est en train de déjeuner, puis vous connaissez Steve, il nous fait un énorme déjeuner d'amour, puis là, on se met à raconter notre soirée, puis j'y raconte ça, puis là, j'ai dit, Steve, je te jure, j'ai pleuré, j'arrêtais plus, Laura est comme, t'es plus arrêtable, puis là, on se met à raconter ça, puis lui, il est comme, mais voyons donc, mais c'était donc bien pénible comme soirée, c'était donc bien paniquant, puis tu sais, il est de tout cœur avec nous, genre, juste... En bon père, pis en bonne personne que tu lui expliques ça, pis il est comme, hey, j'aurais pas su quoi faire, tu sais. Mais non, personne ne savait quoi faire. Sauf que là, je te laisse là. On retourne au sous-sol pour juste jaser entre nous autres, pis elle met sur Instagram, pis elle check ses DM, pis oh mon dieu, y'a un gars qui m'a envoyé un message. Est-ce que tu veux le lire? Tu le sais encore? Probablement. Yo, j'espère que tu feels bien. Donc, clairement, il était là au party d'hier, parce qu'il m'a vu pleurer, clairement. Clairement, qu'il m'a sûrement parlé. S'il sait que je file pas bien, puis j'ai une raison de pas filer bien. Parce que si je pleurais juste pour pleurer, comme n'importe quelle fille Yves dans un bar qui se met à pleurer, je filerais bien le lendemain. Fait qu'il sait qu'il y a de quoi. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'envoie le stalker sur Instagram comme toute personne qui sait pas c'est qui, tu sais. Et c'est là que je me suis rendu compte que la personne qui venait de me demander si j'allais bien, c'est la personne qui me dit qu'il voulait se suicider. La veille. Et là, ben, je m'en vais dire ça à Laura. Je suis comme, oh my god, Laura, j'ai retrouvé le gars, il m'a écrit, ça va. Fait que là, moi, évidemment, je suis comme, moi, c'est qui? Parce que je connaissais beaucoup de gens à ce party-là, tu sais. Là, je regarde son profil, puis j'étais comme, voyons, M, tu t'es mélangé. Ça, c'est Simon, le gars qui te rassurait sur le bord du bain, qui te parlait qu'il avait déjà eu des idées du genre, puis que t'avais bien fait, t'avais bien agi, puis là, elle est comme, non, je te jure, c'est lui qui m'a dit ça, c'est lui qui s'est confié à moi au début. Puis là, on a compris. On a compris que cheveux bruns, hoodie, face normale, c'était la même personne que Simon! Ouais. Donc, ce qui
s'est passé, je crois, c'est que Émilie, elle faisait la file pour les toilettes, puis ce gars-là, Simon, s'est mis à comme jaser, puis je sais pas trop pourquoi, il a parlé qu'il y a pas si longtemps, il y a quelques années, il allait pas très bien, puis tout ça, puis M, tellement ivre, elle a pris ça comme je me suis dit ce soir. T'sais, elle allait vraiment pas bien, puis au lieu, je sais pas pourquoi t'as pas réagi sur le coup, t'es partie. Puis une fois que t'avais quitté cette personne-là, j'étais allée chercher de l'aide, là, je me sentais pas apte à faire de quoi. Elle s'est mise à pleurer, ça allait vraiment pas bien, puis tout ça, elle a fait le tour de la maison, elle revient en haut, puis elle confie à Simon qu'il y a quelqu'un qui va se suicider ce soir, puis qu'il s'est confié à elle. Mais c'est la même loi qui perd! Mais lui, il a tellement rien dit qu'il a pas allumé que c'était lui. Lui, il se disait, mon Dieu, ça dormait pas de bon sens, blablabla, puis il l'a rassuré, puis tout ça, mais ils ont jamais compris. Puis moi, complètement trop Yves, ne pas être capable d'associer que c'était la même personne avec le même visage. Pas capable. M'excuse. C'est correct. Je vous jure, on le racontait à tout le monde autour de nous. Il était comme, M, ça va faire la meilleure des story time. J'étais comme, je ne veux jamais raconter ça de toute ma vie. Eh bien, c'est trop fort. Mais je dois dire que oui, c'était drôle, mais on était juste tellement rassurés de savoir que c'était juste moi qui avais mal compris. Parce vraiment. Que c'est que c'est éprouvant de savoir ça, vous voulez pas, puis on sait toutes pas comment agir. Ah non, puis au début, c'était pas une histoire drôle, là, tu sais, je veux dire, je pleurais clairement, tout le monde essayait de me rassurer, pis était comme, ok, tu paniques, mais on comprend que tu paniques si le gars te confiait ça. Mais là, c'est juste moi qui ai tellement trop interprété des signes que ça a fait de boule de neige, puis next thing I know, je me suis ridiculisée devant toutes tes amies Québec. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette story time. Un gros merci à Laura d'être venue faire le côté rationnel de l'histoire. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a fait rire. Je vais mettre la chaîne de Laura en barre d'infos si ça vous tente d'aller écouter ces story time de la mort. Puis sur ce, ben, nous on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.